Je prends une pause et je regarde tranquillement quelque chose. Mes jambes sont suspendues et mes pieds en appui. J'ai l'impression de ne pas avoir de bassin. Et une barre horizontale au niveau de mes épaules. Et ma tête un petit peu absente. Et puis, je suis en quelque sorte posé comme un pot de fleurs. Et j'attends que quelque chose se passe. Les pots de fleurs attendent toujours que quelque chose se passe. J'ai une sorte de tranquillité dans mon esprit et dans mon corps. Je suis assez posé, assez détendu. Pas détendu comme après 15 jours de stage de détente, mais détendu comme quelqu'un qui vient d'arriver sur la plage et qui se dit que c'est assez tranquille autour de lui. Plein de petits cailloux, plein de petites étoiles brillantes sur le sable. Un truc un petit peu comme si c'était brûlé quand même. Après, un grand espace autour de soi. C'est quand même pas mal. Je vais avoir du mal à choisir dans quelle direction partir. Peut-être rester sur la ligne de la plage. Je ne peux pas aller en diagonale. Je vais rebondir tantôt sur les dunes, tantôt sur la mer. En même temps, pourquoi pas? Déjà, le soleil me chauffe un petit peu. Je vais me mettre un petit peu au milieu de la plage et écouter où je suis dans l'indécision, l'indécision. Je ne sais pas quoi faire. Et de toute façon, à part ce soleil qui chauffe, je n'éprouve pas grand-chose. Si aussi un relâchement, une détente, une tranquillité. Bientôt, ça va être mon tour de sauter en parachute. L'avion est arrivé au point de largage, c'est-à-dire de largage
de mon groupe. Les premiers ont déjà sauté. Et bientôt, dans 2 secondes, ça va être mon tour. Et je contemple la terre en bas. Bientôt, mon parachute va s'ouvrir après un instant de chute vertigineuse. Je suis prêt à plonger comme si c'était dans une piscine. Je vais prendre quelques instants de Enfin, ça y est, c'est parti. J'appuie légèrement sur mes chaussures, sur mes pieds. Je détends mes mollets. Je gonfle mes cuisses. Je hérisse mon ventre. Et j'exprime par une envolée toute la confiance que j'ai dans l'humanité et dans l'univers.